Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 pour le mode commando. On continue l'opération 5 en mode difficile. Donc là, on est à la mission 4, on est bien niveau 49. C'est parti. Let's go. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien pour cette mission d'opération. Enfin, pour ces opérations 5. On verra bien si ça continuera sur un bon parcours, je l'espère. Bon, on peut aller à la roche. Là, le slinger, on peut le rush. Voilà. Alors par contre, voilà, un petit coup de couteau au pire, mais ne laisse pas comme ça, quoi. Voilà, très bien. Bon là, en fait, ça va. S'ils se mettent tous dans cet alignement, j'aurais pas trop de soucis à me faire. Ah non, mais c'est vrai, ils se baissent tout le temps. Et je fais pas gaffe. Et du coup, je me fais avoir. Du coup, je loupe une balle. On peut toujours dire des choses en tirant notre petite balle. Il est fort sympathique. Bon. Contre vous, hein. Là. Il n'y a pas un ennemi. Je sais qu'il y a un coffre. Pas loin. Voilà. Juste ici. Triple shot. Très bien. Alors, par contre, c'est par où? C'était pas ici. Non. Peut-être en face. Ouais, il me semble que c'est par ici. Voilà. On va pouvoir enchaîner. Alors je sais qu'il y a des glaps dans les alentours. Bien sûr, il y a aussi des petits toutous. Dans le dos. L'avez vu. Alors là, c'est très con. Oh non, j'ai cru qu'il allait bouger. Oh, je suis dégoûté. Je rate encore des balles. De toute façon, c'est pas la dernière que je vais rater, hein, ça c'est sûr. Ah, bah les deux pour le prix d'un. Pour le prix d'une. Voilà, très bien. Encore, quand ça est toutou, ça me dérange pas. Ah! Lui, par contre, je l'avais pas vu, le petit saligo. Je me demandais où il était. J'ai vu un coffre. Je vais quand même aller le chercher, on sait jamais. Bah, d'accord. Ça peut être la recharge, donc bon. Pourquoi pas. Alors là, ici, ça commence à être très chiant. Parce que tous les ennemis sont un peu enflammés, hein, on peut se le dire. C'est là où on subit en fait, tout simplement. Et voilà. Et c'est terminé. Ça a été plutôt rapide. Il y a des missions comme ça où c'est rapide et d'autres qui sont plus longues. Là pour le moment ça va. Et voilà, une mission de plus. Alors le pistolet, je vais quand même regarder le triple shot à combien il est. En matière de niveau, parce que le mien il est bien faible. Il doit être supérieur celui-ci. Donc au moins, si on peut l'avoir, ben, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant. Alors, voyons voir. C'est à Quentin, il me semble qu'il est plus fort en plus. Par contre, le reste, ça on peut vendre, hein. High Roller, c'est pas très utile. Je vais juste regarder le triple shot, il était à combien? 53. Ah non, le nôtre était bien plus fort en fait. D'accord, enfin bien plus fort. Vite fait quoi. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous!